Moi, ça, les amis, mais c'est avec un peu de plaisir que nous rencontrons aujourd'hui, qui c'est lundi 4 juillet, pour nous étudier ensemble une portion d'un cas d'études semaine. Les creusets de Satan, c'est un thème ça que nous allons développer ensemble pour aujourd'hui, avant même que nous commencions. Allons prier. Papa, nous qui sommes dans le ciel là, merci pour bien faire que vous manifestez à l'égard de nous chaque jour. Merci parce que vous toujours avez des paroles réconfortantes pour vivre nous, des paroles qui pour motiver nous pour que nous soyons capables de servir vous. Avec plus de consécration, avec plus de fidélité. C'est-à-dire que je dis à nos parents étudiants, on prochain apprendre au Père, qui va aider nous à comprendre davantage et mettre en application. Béni, dirige, protège, qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Amen. Moi, je voulais remercier aux amis pour l'effort que vous-même vous avez fait chaque jour pour être capable d'étudier les leçons de l'école du sabbat. Et pas oublier, chaque fois que vous finissez d'étudier, moi, toujours pour plaisir, encourager vous pour partager l'étude avec l'entourage pour faciliter plus de monde. Rivé étudier leçon école du sabbat. Et si vous n'avez pas de quoi abonner, Mabzo, courir à faire ça et encourager l'autre monde, fait même gens ensemble avec vous. Ce maintenant, nous avons leçon 2, les creusets à venir. C'est le thème que nous avons développé tout au cours de semaine. Verset 1 nous vient pour nous mémoriser à 1 Pierre, chapitre 4, versets 12 et 13. Mes chers amis, vous avez été plongés dans la fournaise de l'épreuve. N'en soyez pas surpris, comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. Au contraire, réjouissez-vous, car vous participez aux souffrances du Christ, afin d'être remplis de joie, quand il paraîtra dans toute sa gloire. Mes chers amis, vous avez été plongés dans la fournaise de l'épreuve. N'en soyez pas surpris, comme si vous arrivait quelque chose d'anormal. Au contraire, réjouissez-vous, car vous participez aux souffrances du Christ, afin d'être remplis de joie, quand il paraîtra dans toute sa gloire. 1 Pierre, chapitre 4, versets 12 et 13, qui c'est verset nous vient pour nous capables de mémoriser dans le cas d'étude pour semaine. Les creusets de Satan, c'est verset qui nous, c'est thème plutôt nous va développer ensemble pour aujourd'hui. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, c'est texte qui a commencé étude aujourd'hui. Qui ça le dit? Soyez sobre, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Verset ça qui nous saute là, qui message nous en liberté pour nous? Posez-toi toute question ça. Est-ce que ou comprend parole ça au sérieux? Posez-toi de façon personnelle pour dire est-ce que me comprend parole qui n'est texte ça au sérieux? Qui bagaille que moi fait dans vie qui montre que moi prends au sérieux ou bien moi pas prend parole qui n'est texte ça au sérieux? Posez-toi toute question ça. Et l'autre réflexion qu'il n'a pas fait encore, est-ce que vous connaissez, vous avez observé un lion qui grand goût? Moi-même, personnellement, je ne connais pas ça. Ok? Je ne connais pas le lion grand goût. Mais ou même, peut-être ça arrive, ou bien une expérience qui ne connais pas, est-ce que vous connaissez un lion, vous avez observé un lion qui grand goût? C'est impressionnant à voir, pas vrai? Car, vous connaissez quelque chose, ça qu'il est capable d'attraper, eh bien, tout ça, il a besoin d'attraper, il a besoin de dévorer, depuis la possibilité à présenter. La fête. Mais Pierre utilise même image ça. Pierre dit nous que Satan lui a fait rôder autour de nous, l'a viré bon côté nous. De même façon ça. Et bien quand nous regardons autour de nous, nous voyons les conséquences de sa folie meurtrière, la mort, souffrance, ainsi que déformation et perversion morale. Et bien nous et des valeurs, nous bagages sur tous côtés. De tout côté, je dis, c'est la mort, c'est souffrance, c'est perversion morale. Ok? Nous, on sait des bagages qui n'ont pas de valeur. Ça, c'est partout. Et bien, à travers ça, et bien, nous, on travail Satan. Depuis, nous regardons tout bagage mal, ça, et bien, nous, ça, c'est activité Satan. C'est-à-dire, Satan a produit autour de nous. Même avec un lion qui a grand goût, pour qu'il soit capable de dévorer nous. Même ensemble avec vous. Nous besoin prudent. Nous besoin faire un pile effort pour ne pas tomber en bas mais ennemi ça. Qu'on a là un fond coup d'œil dans texte qui c'est 1 Pierre chapitre 5 verset 8 à 11. Nous regarder comment chrétien doit réagir face avec trac Satan. Attitude que Satan a utilisé pour le plonger nous hein, et bien pour le manger nous pour le faire nous tomber dans le péché là, qui genre de comportement qui demande à moi avancer ma voix nous de gagner. Et on essayer garder tout dans verset 10 là précisément. Qui ça bon Dieu lui-même lui promet pour lui promettre l'affaire pour si là-haut qui a souffert. 1 Pierre chapitre 5 verset 8 pour nous arriver dans verset
11. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Et dans le verset 10, nous voyons, bon Dieu a permis de nous perfectionner, l'a affermi nous, l'a fortifié nous et l'a rendu nous inébranlable. C'est ça, eh bien, bon Dieu promet nous. Et lui encourage nous pour nous résister avec une foi qui ferme. Parce que souffrance, ça, que la vie, je dis, c'est tout chrétien, quelque chose à côté de dans le monde, eh bien, il y a vivre lui. Eh bien, bon Dieu promet, eh bien, qu'il a affermi nous, l'a pris nous perfectionner, l'a fortifié nous et l'a pris nous inébranlable. C'est promet ça, eh bien, que Christ, lui-même, lui fait nous. Eh bien, Pierre écrit parole ça pour parler de réponse avec attaque Satan sur la foi chrétienne. Mais comme nous t'ai déjà dit, Satan lit à l'œuvre sous plusieurs façons. Eh bien, nous t'as de conscient de la réalité et de la puissance des ennemis noirs. Nous pas de jamais décourager. Parce que, car nous ne devons jamais oublier une chose, c'est que Jésus t'a remporté la victoire sur Satan. Jésus te bat Satan. Satan, c'est un ennemi qui perdit bataille. Satan, c'est un ennemi qui perdit victoire déjà. Et aussi longtemps que nous étions connectés ensemble avec Jésus, aussi longtemps que nous accrochons nous avec Jésus par la foi, eh bien, nous avons toujours remporté la victoire sur l'ennemi. Et grâce à la victoire, à la croix, la victoire de Christ est notre victoire. Jésus a remporté la victoire. Déjà, nous sommes disciples de Jésus. Si nous d'accord pour nous accrocher nous avec Jésus, pour nous attacher nous fortement ensemble avec Jésus, eh bien victoire Jésus a li déjà victoire par nous. Ennemi a même fait tout ça dépend de lui pour te tromper nous, pour te faire nous croire dans ça nous pas de croire, pour faire nous tomber dans le péché. Mais si moi même avec vous même je dis nous d'accord pour nous rester attachés ensemble avec Jésus, ennemi a même fait tout ça dépend de lui, eh bien il est pas capable fait nous plonger dans le péché, il pas capable décourager nous parce que moi-même ensemble avec vous force nous le l'autre côté, li dans Jésus, Jésus t'a remporté la victoire, même ensemble avec vous tout n'a remporté la victoire. Petite réflexion que nous gagne aujourd'hui a. Réfléchis avec l'autre moyen que Satan capable causer ça nous la souffrance. Dans qui ça? Lecture que nous souhaite faire dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8 à 11 capable aider nous à gérer angoisse que nous en vive à cause de notre destin qui se vivent dans un monde péché, côté que et Satan lui-même lui a fait ravage. Eh bien, c'était partie leçon que nous avons ensemble aujourd'hui à la cause de Satan. Nous ennemi en la prodé autour de nous comme un lion qui grand goût, comme un lion et bien qui très très affamé. Mais ensemble avec vous, il y a un seul bagage que nous besoin faire, nous besoin uniquement accrocher ensemble avec Jésus parce que ennemi c'est un ennemi qui perdit bataille déjà. Depuis nous accrocher ensemble avec Jésus, eh bien la victoire c'est pour nous que lui-même lié. Les creusets de Satan, c'était portion d'étude que nous t'apprenons ensemble aujourd'hui. Avant nous aller, nous prions bon Dieu. Merci bon papa pour parole. Aidez-nous chaque jour pour nous capable faire confiance. Pour nous accrocher ensemble avec vous, et l'on va venir nous va traiter nous comme de bons et de fidèles serviteurs. Et quelque soit ça ennemi capable faire, eh bien il va bien impact, il va bien effet sur vie spirituelle. Bénis-nous, sauvez-nous, dirigez-nous que l'on soit sur le nom de Jésus. Amen. Deuxième chose de passer, bonne journée, bonne étude et que Dieu vous bénisse.